La citronnelle. Parmi les plantes anti-moustiques, la citronnelle est la plus connue. Elle est d'ailleurs utilisée dans la fabrication de bougies et de spirales anti-moustiques. Comment l'utiliser? La citronnelle est une plante qui peut atteindre 2 mètres de haut si vous la plantez dans un jardin. Vous pouvez également la planter dans des pots que vous placerez à proximité de vos fenêtres pour éloigner les moustiques. À noter, son huile essentielle est aussi intéressante, mais attention, son odeur est très forte. Placez-en par exemple une goutte sur l'intérieur d'un vêtement. Le basilic. En plus d'être une excellente plante aromatique, le basilic présente la caractéristique de repousser les moustiques. Comment l'utiliser? Placez quelques pots de basilic sur le rebord de vos fenêtres ou sur la table de votre jardin. Vous pouvez également en faire brûler quelques branches avec du bois vert sur votre terrasse ou dans votre jardin pour apprécier une douce soirée d'été sans vous faire piquer. Le géranium. Comment faire? Placez des pots de géranium à vos fenêtres pour ne pas vous faire piquer pendant les chaudes nuits d'été. Leur odeur repousse les insectes. À noter, vous pouvez également vous tourner vers l'huile essentielle de cette plante. Ainsi, une goutte d'huile essentielle de géranium rosa disposée sur un mouchoir ou sur l'étiquette d'un vêtement constituera un bon répulsif contre les moustiques. Évitez tout de même de déposer l'huile essentielle non diluée directement sur la peau. La lavande. La lavande possède une odeur forte qui déplaît aux moustiques. Placez-en quelques pots à vos fenêtres pour dissuader les moustiques de pénétrer à l'intérieur de votre logement. Même si les plantes odorantes comme la lavande constituent une barrière pour les moustiques, elles n'empêcheront pas totalement leur passage. La solution la plus efficace contre ces insectes reste la moustiquaire qui bloque totalement leur passage. L'odeur prononcée de la menthe poivrée éloigne également les moustiques. Placez quelques pots de menthe poivrée sur le rebord de vos fenêtres ou sur votre table de jardin. Le combava est un agrume qui possède une odeur citronnée. Comment l'utiliser? Sous forme d'huile essentielle. Pour un adulte, mélangez 2 ml d'huile essentielle, soit 50 à 60 gouttes selon les marques, dans 20 ml d'huile végétale. Et appliquez cette huile sur la peau, au niveau des parties exposées. Pour les enfants de plus de 10 ans, réduisez la dose à 1 ml pour 20 ml et pour les enfants de 7 à 10 ans, réduisez encore à 0,5 ml pour 20 ml. N'utilisez pas d'huile essentielle chez les enfants de moins de 7 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Citronnée est un arbre d'Amérique du Sud dont les feuilles possèdent une odeur citronnée. Utilisez-la sous forme d'huile essentielle. En revanche, n'utilisez pas cette huile chez les enfants de moins de 7 ans, les femmes enceintes et allaitantes.